Hello! Hey! On va un peu. Pour la Françoise. Ouais. Qui c'est donc la fille qui reste dans la carriole? Avec vous. Dans la voiture. Ouais. C'est la nouvelle demoiselle de l'école. Ah. Eh bien, il ferait bon voir qu'on la laisse dehors, tiens. Vous vous rendez compte? Nous faire ça juste aujourd'hui? Pardonnez-leur leurs offenses. Comment est-elle tombée dans la mare? Sur votre respect, monsieur le curé, regardez seulement son tour de taille. On lui en a fait la remarque avant-hier. Elle a pris une bonne cuite. Alors, comme ça, vous venez de Paris? Oui, mais vous savez, je suis un peu normande par ma mère. De Rouen. Ah oui, mais Rouen, c'est déjà la ville. Ici, c'est la pleine campagne. Alors, vous croyez que vous allez vous plaire par chez nous? J'en ai la ferme intention. La demoiselle, c'est une parente de... j'ai plus de mémoire, moi. Comment donc, quel est donc son nom, au grand, là? C'est pas Langevin? Le Charron de Saint-Flon? Non, le jeune qui fait toujours du zèle. Aide-moi donc un peu, voyons. Celui qui a pris Mathias et ses deux barriques. Bonjour. Ah. La répression des fraudes? C'est juste. J'ai appris ça par la demoiselle en revenant de la gare. C'est son cousin. Bon Dieu! Pardon. Je veux dire ça tout le temps, monsieur le curé. Je n'ai pas soif, merci. Pas soif? Mais il n'y a pas besoin d'avoir soif pour boire de la goutte. Elle est toute neuve. On est en train de bouillir nos 10 litres en franchise. Enfin, 10 litres, 10 litres et demi. Piano! Tu vas te taire. Dites, écoutez voir, ma petite demoiselle. Dans ce coin-là, il n'y a rien et il n'y a personne. T'es compris? Mais je... Alors, même si votre cousin aujourd'hui vous demande, c'est ça qu'il faut lui dire. Il n'y a rien et il n'y a personne. Voilà. Et puis d'abord, il n'y a rien à voir. On est en train de rincer nos fûts pour faire du site, c'est tout. Mais vous êtes ici chez vous et vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est vrai. Eh ben, voilà comment qu'il faut parler, ma petite demoiselle. On nous cherche pas d'histoire. On n'en cherche pas aux autres. Eh, aujourd'hui, c'est un feignant. Oh, ta gueule, toi. Allez, une petite goutte. Va te donner les berlus. Ah, il est encore bien affectueux pour son âge. Allez, tu vas pas laisser péter le chaudron, voyons. Eh ben, voyons, on a une petite goutte quand même, on veut bien. Allez, une petite goutte. Feignant, il veut dire surtout qu'on ne l'aime pas beaucoup par ici. Longereau. Les gens qui sont payés pour empêcher les autres de vivre, comment vous appelez ça? Je ne suis pas ici pour traiter cette question. Je n'ai aucune idée là-dessus. Bon, bah faudra vous dépêcher en avoir une, parce que par ici, on est pour au compte, mais c'est pas possible d'être chèvre et chou. Merci du conseil. Seulement, je suis venue ici pour m'occuper des enfants, et pas des adultes. Elle avait tout de même des qualités pour le poulailler. J'en dis point de mal. Quand est-ce qu'on pourra faire la cérémonie, monsieur le curé? Pierrot! Dépêche-toi, Pierrot. Faut qu'on prévienne les gendarmes avant la nuit. Vous avez du retard, donc? Charlotte, prends les bagages de la demoiselle. Vous devez être dans un bel état, ma pauvre jeune femme. Entrez donc vous chauffer.
Qu'est-ce que vous avez donc fait, monsieur le curé? Vous en avez mis du temps. On a dû coincer chez Soulages. Mais qu'est-ce qu'il y a donc chez Soulages? Françoise, elle s'est déliée dans la mare. Sans dire du mal d'elle, monsieur le curé, ça fait une belle traînée de moins. Allons, allons, ne jetez pas la première pierre. Vous êtes trop bon, monsieur le curé. Beaucoup trop bon. Tenez, ma pauvre sainte femme, ça vous fera du bien. Merci, je ne bois jamais d'alcool. Mais ce n'est pas de l'alcool de la ville. C'est un produit naturel du bon Dieu. Pour des chrétiens qui ne le méritent sacrément pas. Merci, je ne bois que de l'eau, s'il vous plaît. De l'eau? Eh ben, Charlotte! Oui, mademoiselle. Tiens, acquérir de l'eau au puits. Oui, mademoiselle. Et attends. Tiens, faut pas laisser perdre. Bois donc. La découverte du corps remonte à combien de temps? Peut-être une heure. On l'a ramené à la maison, c'est une parente. De quel endroit téléphonez-vous? Chez Noirterre, l'épicerie Buvette à Saint-Frimbault. Bon, vous pouvez raccrocher. Vous croyez que c'est un crime? Ça m'étonnerait. Mais Pierre Soulages est un petit gars qui commence à faire parler de lui. Ici, gendarmerie de passer la Conception. Donnez-moi le 2 à Saint-Frimbault. Merci. Il n'est pas exclu que ce soit une diversion pour essayer de passer de l'alcool. Ce serait un peu gros. Bon, on l'a vu pire. Café Noirterre. Monsieur Noirterre, dites-moi, quelqu'un vient de téléphoner de chez vous? Ah, Pierre Soulages. Très bien, je vous remercie. Non, non, inutile de l'appeler. Merci. Ça paraît sérieux, on va y aller. Donnez donc un petit coup de fil à Donfront, si ça intéresse au jour de venir faire un petit tour dans le coin. Ça cogne derrière. Écoute. Pas toujours. J'aurais dû m'en douter, vous avez juste posé les fûts. Mais si jamais on doit foncer, tu sais ce qui va se passer? 600 litres de camelote répandus. Bah non, pas besoin de foncer. Ce qu'on fait, on le fait bien. Ou c'est pas la peine de le faire. Mais tu nous tapes bon sang. On entre à balle dans 6 millions d'amendes à la clé, c'est pas le moment de se faire piquer, non? Bon, mets tes ficelles et dépêche-toi. Si on est pour se faire prendre cette nuit, c'est pas tes ficelles qui feront quelque chose. Depuis 2 ans que je roule la marchandise des autres, j'ai jamais eu un pépin. Alors c'est pas aujourd'hui que je travaille une marchandise à nous que je vais leur en laisser seulement de cuillère à café. S'il vient de Saint-Frambeau, il doit forcément passer par ici. Ou par ici. Oh, j'attendrai à ce carrefour. Bah tu vois, à mon avis, on a 5 minutes de retard. Même si le tuyau est bon. Et regarde si le stop fonctionne. C'est bon. Ici, il n'a aucune chance. Impossible de faire demi-tour. Écoute. Cette fois, ça y est, on est baisé. Ah ben ça, c'est encore à voir. T'en fais pas, va.
qui nous tient pas encore. Attention, prends à droite. Avance. Et tiens encore le coup, la bagnole. Vas-y, là, oui. Vers la barrière, vite, vite, vite. On est dans le chemin qui mène chez Pasquier. Ah oui. On va les avoir. Métier, c'est un apostolat. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On demande aide et protection à l'indigène? Hein? Oh, ah, oh, c'est inutile. Le tam-tam de Bruce va commencer à fonctionner. D'ici un quart d'heure, il y aura 200 personnes à nous regarder. Et voilà. Papa, c'est les contrôleurs. Oh, coule vite à l'entour, faut pas qu'il manque ça. Mais on se connaît, nous. Bien bonsoir, monsieur le contrôleur. Alors, on prend un bain de piester? Eh oui. Allez, c'est de là, ça moi, j'irai pas ici. Il y a de la demande. Je me tiens. Les Parisiens ont soif. Ça t'intéresse? Pas tout ça, oui. Mais il n'y a pas de mal. C'est quand on est jeune qu'il faut s'intéresser. Si ça vous fait rien, nous voilà dans le deuil. Faudra qu'on pousse jusqu'à la Ferté chez le beau-frère pour lui annoncer la nouvelle. Heureusement que c'est une famille nombreuse. 14 à table. Hein, je leur reprendrai peut-être bien la cadette, histoire de les soulager. Faut s'entraider en famille. Tu viens, Pierrot? Non, non, vas-y tout seul, pauvre. Tout le monde va se croire obligé de chialer, puis moi, ça ne me dit rien du tout. Ben, écoute, dans mon gars. Allez, c'est le vent. Je le reprendrai en passant. Vous avez un fils qui veut s'instruire, père Soulage. Et moi, je suis pour l'instruction. Eh ben, comme ça, vous aurez le temps de faire les comptes. J'ai jamais cessé d'y penser. Personne n'est sorti d'ici sans être réglé jusqu'au dernier centime. Ah, là, je suis tranquille. Ben, vous n'aurez qu'à donner à Pierrot, c'est comme si c'était moi. Centilitres à 65 degrés. On avait parlé de 2 francs 20 du degré. Mais peut-être bien que les cours ont augmenté à cette heure. Les cours n'ont pas monté depuis hier matin. Faut s'en tenir à la parole donnée, père Soulage. Sans ça, il n'y a plus de travail possible. Sûr. 2 francs 20 rendus. Moi aussi, je suis de parole. Ça m'en dit de voir, Marvin. Avec le coup d'eau au jour, on a eu une sacrée cavalerie ce soir. Ça va me coûter en réparation. Si les Parisiens ont soif, comme dit le gars, vous avez belle de leur revendre ça le prix que vous voudrez, pas vrai? C'est de la bonne. Hein? Seulement un petit boni de 10 centimes du degré, ça va pas chercher bien loin? Non. 5 centimes. Un sou. Un petit sou du degré. Qu'est-ce que c'est ça pour un homme comme vous, monsieur Bardin? Monsieur Soulage, tous les amis à qui je rends le service ont écoulé leur surplus d'alcool bonne bouche malgré les tracasseries administratives. Me font le grand plaisir de partir d'ici heureux et satisfait. S'il en était autrement, j'en serais le premier navré, mais... Je vous demanderai de bien vouloir reprendre votre marchandise. Alors. J'oblige les gens, je les force pas. Nuance. Eh ben, ça ira, monsieur Marvin. Mais faut bien dire ce qu'il faut dire, pas vrai. Si j'avais pas discuté, vous auriez pensé le père Soulage est fini. Vous êtes un vrai Normand. Moi aussi. Ah,
condoléances pour le deuil qui vous frappe. Bien le merci à vous. Hein? C'est la vie. Au revoir. Au revoir. Eh bien, on va voir un pot à la maison. Je l'ai aussi en mi-bouteille, vous pourrez essayer. Oui, madame, vous mettez la bouteille entière. Vous verrez, il est très bon. Merci, madame. Oui, je suis habitué à venir dans cette petite auberge-là, avec des clients. Rien que pour manger la terrine. Pierrot est au bar, servez quelque chose, je vais voir l'Américain. Je suis à toi dans une minute, Pierrot. Hein? Comment ça va? Mais ça va bien, madame Bardin, et vous-même? J'ai le complément. J'ai même trois fûts immédiatement disponibles. 610 litres en 65 degrés, si ça vous intéresse. De 50. De 60? Ken, on ne peut pas prendre plus de 200 litres. On prendra ce que je voudrai. On va avoir les amortisseurs à la retourne. On est déjà au maxi. Laissez tomber, Fernand. Ken sait ce qu'il veut. Je veux rendre service à mon ami Bardin. On va le débarrasser de cette marchandise compromettante. De 60? La marchandise ne m'embarrasse pas. Je ne vais pas discuter pour 10 centimes. Mais à ce prix-là, il faudra m'aider à charger. Oh, ça peut se faire. J'ai quelqu'un. Non, je n'ai rien contre les intellectuels, mais il y a trois filles à charger. Écoute, Ken, moi, je pensais que... C'est moi qui pense. Allez, file. Susceptible et borné. Je déteste ce type-là. Ma chère, on a bien du mal à se faire servir. Veux-tu aller faire un dernier essai des radios? Oui? Ah, bonsoir, cher ami. Oui? Oui? Bien entendu. We're leaving just a moment. Thank you for the information. Mes hommages à madame. See you soon. Au revoir. J'espère que ce n'est pas le client qui se décommande. Les clients, ce n'est pas ceux qui manquent. Mais voyez-vous, Bardin, quand on fait la guerre, il faut être au courant des mouvements de l'ennemi. Prenez compte, cher ami, quand vous voudrez. Eh bien, allons-y. Chargement, hein? Oui, 5000 litres. Sur un vieux zinzin comme ça, c'est le maxi. Mmh. Coup de main? Mmh. Passé par où? J'en sais rien. C'est monsieur Harvey qui était devant avec la porte. 1, 2, 3, 4, 5. Vous entendez? Allô? Vous entendez? 1, 2, 3, 4, 5. Allô? Allô? Vous entendez, oui? Yes. Oh, c'est un gars qui nous a aidé à charger. Il est de la maison. Dis-lui de venir ici. Et c'est terminé. Avec un petit chauffeur comme ça, on se passerait de femme, tiens. Te fatigue pas. C'est pas du mouron pour ton frein. Votre gars radio dit que vous voulez me voir. Lui, il est comme l'agriculture. Il manque de bras. En tout cas, vous, vous manquez pas de défense. Ça te gêne? Oh, ni chaud ni froid. À vue de nez, vous devez faire une opération dans les 3 millions de bénéfices nets. Ça vaut la peine de prendre des précautions, non? Tiens, tiens, on a des bras. Et de la cervelle. Mais on s'est compté sur ses doigts. Bardin m'a dit que c'est toi qui viens de mettre les contrôleurs dans la mare. Ben oui, on fait ce qu'on peut, hein. C'est gentil, hein. Moi, j'en suis pour la douceur. Mais parfois, il faut faire preuve d'initiative. Excusez-moi. Pensez-vous, j'appartais de la Ferté. Aux pommes. J'ai mieux ça. On part. Tu sais, petit, ce soir, on affiche complet.
Mais si à l'occasion, tu veux travailler avec moi, je ne dis pas non. Trouve-toi un vieux coucou comme ça et viens me voir. Tu sais combien ils vont palper, ces deux gars-là, pour une nuit de travail? 85. C'est coquet, non? Et alors? Bien sûr qu'il dit oui. Sacré Pierrot, hein? Vous pensez? Un vrai garnement, hein? Ni oui, ni non. On se reverra. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi t'as pas dit oui à l'Américain? Ben, j'ai pas dit non, hein. Bon, je suis peut-être un gars de la cambrousse, mais je comprends vite. L'Américain, c'est pas pour ma bonne mine qu'il veut m'engager. C'est quoi? Non, c'est pour vous doubler. Mais moi, ça me gêne, parce que c'est vous qui m'avez mis en relation avec lui. Bon, je vois venir, l'Américain. Il voudrait surtout, c'est le ramassage direct à bon compte et sans intermédiaire. Tu crois que j'ai fait mon temps, hein, Pierrot? J'ai jamais pensé ça, Monsieur Vardin. Seulement... la guerre dans le bled, ça m'a mûri. Je vois plus les choses comme avant. Bon, je sais, tout change. Mais toujours plus vite qu'on ne croit. Oui, je sais. Mais moi aussi, je flaire l'avenir. Seulement, voilà. Un bon réseau de ramassage, ça s'improvise pas. C'est pas pour nous vanter, mais notre région doit être la championne de la production d'alcool clandestin. Crois-tu que ce soit par hasard? On a des pommes. On a surtout des hommes, Pierrot. Des hommes qui veillent depuis des générations à ce que tout ce qui a la moindre autorité dans le pays nous soit favorable. On veille. Non pas à ce que tout le monde soit complice, mais à ce que tout le monde soit... tolérant. On y veille. Et on y réussit. Oui, je sais. Tu vois, Pierrot, c'est pas de Paris qu'on peut diriger tout ça. Les types comme Harvey, qui ont prétendu me passer par-dessus les épaules, j'en ai connu quelques-uns, crois-moi. Et Harvey, ça passe. Moi, je demeure. Mais pourquoi m'avez-vous poussé dans ses bras? Harvey, il a des acheteurs à Paris. Suppose qu'un petit gars de chez nous entre dans le circuit. S'il est débrouillard et intelligent, il finira bien un jour par les connaître, les acheteurs. Au moins, un Harvey, ça pèsera pas lourd. Tu refuses? Ben, c'est pas ça, mais hey, comme vous y allez. Je vends pas la peau de l'ours, moi. Américain, Américain, c'est pas n'importe qui, hein? Bon, ben, faut que je commence par soigner la forme. Régime boxeur. Fini la goutte. Oui, mais c'est de la bonne. Ma raison de plus. Créneau. Toi, gars, t'es encore plus malin que je croyais. Ça sent l'alcool? On en met un peu, dame. Silence! Demandez-moi de prendre. Bien, nous allons voir ma directrice. Silence!
vous parler à l'instant. Croisez vos bras. Soyez sage, hein. Qu'est-ce que tu as fait encore? Elle buvait ça pendant la classe. Je ne veux point de ça, tu entends, garce? Je veux que personne ne manque de respect, mademoiselle. Tu ne pouvais pas attendre jusqu'à midi? Allez, tiens, prends ça. Et ne recommence pas, tu entends? Vous avez raison. Je veux que les enfants vous respectent. Je crains qu'il y ait un malentendu. C'est à moi de me faire respecter, je crois. Mais il s'agit là d'un fait grave. Dans la bouteille que vous avez rendue, il y a de l'alcool. Oui. C'est absolument interdit. Ce sont les parents qui donnent aux enfants. En ce cas, les parents ont tort. Et si nous ne pouvons faire l'éducation des parents, nous pouvons du moins faire celle des enfants. Jusqu'à présent, personne ne s'est plaint de l'éducation que nous donnons. Voilà bientôt 30 ans que je suis là, ma petite. Je ne sais pas ce qu'on fait à Paris, mais je sais ce qui convient aux gens du pays. Comme vous voudrez. Et je suis venue ici pour diriger une classe, pas pour tenir un bistrot. Il n'entrera pas une goutte d'alcool dans ma classe, je tiens à vous le préciser. Quant à la bouteille de Monique, je la confisque personnellement. Fait. Mais vous en prenez la responsabilité. Entière. Que tous ceux qui ont une bouteille lèvent la main. Eh bien. Madeleine, qu'est-ce que tu as dans ta bouteille? Du café, mademoiselle. Avec de la goutte? Mademoiselle, c'est rapport à la grippe. Pourquoi? Tu as la grippe? Non, c'est pour qu'elle ne vienne pas. Mathias, tu as aussi de la goutte dans ton café? Oui, mademoiselle. Pourquoi? Je ne sais pas. Pour ça, café, c'est pas bon. Y a-t-il un parmi tous ceux qui apportent leur déjeuner qui ait autre chose que de la goutte et du café dans sa bouteille? Debout. Que chacun prenne sa bouteille. En colonne par un. Premier rang en avant. Débouchez vos bouteilles. Videz-les par terre. Je me fais comprendre. Renversez vos bouteilles. C'est donc l'heure de la récréation? Ou c'est ma montre qui ne marche point? En application de la circulaire ministérielle du 8 août 1956, je dois veiller à ce que pas une goutte d'alcool n'entre dans cette école. L'alcool, c'est un poison. C'est pas du poison, c'est de la nôtre. Rigoureusement interdit. Je ne veux pas voir ça. Tiens. Allez, renversez vos bouteilles. Qu'est-ce que tu attends, toi? Hein? Allez, vas-y. Et toi? Et toi? Allez. Allez, allez. On n'a plus le droit d'avoir soif, donc. Mais la soif est un besoin naturel. Et il n'y a pas de meilleure boisson que l'eau pure pour étancher la soif. J'agis pour votre bien. Et quand vous le comprendrez, vous m'en serez reconnaissant. Vous êtes tous ici descendants d'une race qui est l'une des plus belles du monde. Une race de conquérants, de découvreurs, d'artistes. Mais croyez-vous qu'on mettait de la goutte dans le biberon de Guillaume le Conquérant? Non. Il buvait l'eau pure de nos sources. Et c'est pour ça qu'il... Elle est folle. Qui donc a quelque chose d'intelligent à dire? Personne? Ça ne m'étonne pas. Allez, en avant vers la classe. Charlotte! Mademoiselle? Pouvez-vous me prêter votre vélo moteur pour ce soir? J'ai besoin d'aller à Domfront. Avec plaisir, mademoiselle. Thank you.
mademoiselle. En panne? Eh oui. Où allez-vous? À Domfront. Vous n'auriez pas un peu de mélange à me céder? Ah, ça me paraît difficile, mais on peut peut-être faire mieux. D'aller. Et comment va le cousin au jour? Je ne sais pas. Depuis mon arrivée, je n'ai pas encore eu le temps de lui signaler ma présence. Ah, montez. J'ai poussé à 95 tout à l'heure. Dans une descente, vous me direz. Enfin, heureusement, je suis là pour le dire. Vous transportez quoi? Pour l'instant, rien. À vide, ça va encore, mais à pleine charge, je me demande ce que ça va donner. Vous devriez peut-être demander à votre patron d'en changer. Oui, l'ennui, c'est que le patron, c'est moi. J'ai cet outil-là depuis ce matin. Je l'ai acheté au ferrailleur de la Ferté. Patate, oui. Vous n'avez pas peur? Non. On fonce? On fonce. Et allez donc. Gentille. Je suis pas en très bon terme avec votre cousin Augereau, alors évitez de lui parler de moi si vous pouvez. Promis. Bon. Ben, au revoir, mademoiselle. Mademoiselle comment? Marie-Anne. Marie-Anne. Ben, moi, c'est Pierrot. Je sais. Ben, vous savez tout, alors. Une vraie maîtresse d'école. Enfin, il y a une chose que vous ne savez pas. Quoi? Ça. Là, vous vous trompez. Ça fait longtemps que je sais que vous êtes un type culotté. Ah, qu'est-ce que je te donne? Rien, je ne bois que de l'eau. C'est pas ce que tu perds. Je sais ce que j'y gagne. T'en prends? Oui, oui. Je sais pas pourquoi, mais je m'étais figuré que tu étais contre l'alcool. Oh, anti-alcoolique, moi je veux bien, mais y a pas d'eau? Dans la cuisine. Un conseil, cousine, si tu n'aimes pas ça, n'essaie pas par ici d'en dégoûter les autres. J'ai essayé. Yvonne, est-ce que vous donnez à Stéphane une petite bouteille quand il va à l'école? Ah, le petit sou de café? Non. Stéphane ne boit jamais d'alcool. Et si, comme moi, sur 24 élèves, vous aviez trouvé 18 sous de café, qu'est-ce que vous auriez fait? Moi? J'aurais confisqué les 18 bouteilles. Ah! Ah, eh bien, ça, ça me fait plaisir. Je ne suis donc pas unique au monde. Vidé, tu veux dire que tu as balancé la goutte par terre? Oui. Oh là 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 là, ma pauvre Marianne, mais c'est comme si tu leur avais craché la figure. Le crime de lèse-goutte. Mais c'est le péché contre l'esprit. Enfin, cousine, on est en famille. Si t'arrives un pépin, on fait bloc. Tiens, pas. Tu vois, voilà ce que j'appelle ma carte des opérations. Et les soirs d'hiver, quand le vent souffle, on sent d'ici l'odeur de centaines d'alambics en action. Tout le pays fabrique la goutte. Eh oui, tu t'attaques à une puissance extraordinaire, petite Marianne.
Peux-tu nous aider? Oui, mais comment? Eh bien, tout d'abord, en laissant tomber l'anti-alcoolisme. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Mouches? C'est précisément de mouchardée que tu me demandes. Oui, enfin, un inconvénient avec les filles intelligentes, c'est qu'elles trouvent tout de suite un nom désagréable pour les choses les plus simples. Ferme cette fenêtre, tu refroidis toute la pièce. Ben, on dîne dans combien de temps? Tout de suite. Ah, ah. Dis donc, j'aimerais bien savoir comment on raconte à Nonville l'histoire des deux contrôleurs qui ont besoin d'une voiture pour prendre un bain de pied. Hmm? Première nouvelle. Je crois savoir à qui sont les pieds, mais... Ah, si tu rencontres un garçon qui s'appelle Pierre Soulage, Pierre Soulage, eh ben tu passes sur l'autre trottoir. Celui-là, si c'est que tu es ma cousine, ben, ça arrangera pour prendre la vie impossible. Vraiment? Tu le connais? Non. Non, mais je te remercie de m'avoir prévenu. Oh, qu'est-ce que c'est que ces horreurs? Quelques souvenirs. Ah, ben, non. Enfin, oui, enfin, on m'a donné un petit coup de main. Là, on a arrosé ma voiture d'essence. Là, tu le charges de plastique dans le moteur. Enfin, pour l'incendie, j'étais sorti à temps, mais le coup du plastique, là, mon adjoint Carbonnier a eu quelques éclaboussures. Mais c'est de l'attentat? Comme tu dis, eh oui. Et tu crois que le garçon de Nonville m'a parlé? Oui. Est capable de faire des choses pareilles? Qui ça? Ah, oui, Pierre Soulage. Ah, non. Soulage, c'est la fraude locale, c'est plus rusé, ça nous rend la vie impossible. Dans le fond, ça nous respecte. Tandis que ça, c'est le grand trafic. Tu vois, les gangsters qui amènent l'alcool à Paris. Eh bien, ceux-là, si on les gêne, ils nous suppriment. À table. Alors, à part ça, qu'est-ce que tu penses du pays? Moins de pétards. Ah, voilà, il faut ce qu'il faut. Il dit, les Américains, ils en font du bruit ce soir. Pas sûr. Et je vous rappelle, aucun nom propre dans les liaisons radio. Ma voiture sera A comme Alphonse. Le premier camion sera Brigitte. Et le Ford Anker sera Caroline. Votre motard fait un bruit à ameuter tout le quartier. Il n'est pas 10 heures. On n'a pas encore à dire son nom dans l'escalier. Je suis chez moi. Nous partons dans un moment, cher ami. Le plus tôt sera le mieux. Bon, j'espère que tout le monde a bien compris ce qu'il y a à faire. Le camion, Brigitte, d'abord. Puis toi, Pierrot, tu suivras à 50 mètres pour quitter toujours dans son rétro. S'il y a quelque chose qui ne gaze pas, tu fais deux appels de phare. C'est compris? Compris. Le troisième camion te suivra à 50 mètres. S'il y a des ordres en cours de route, c'est le motard qui t'avisera. Nous partons dans 5 minutes. Au revoir, M. Barbin. À bientôt, Pierrot. Tâche de t'instruire. Le voyage forme la jeunesse. Je n'aime pas beaucoup la jeunesse qui s'instruit trop vite. C'est votre droit. Je paye et je paye bien. Mais je n'aime pas beaucoup qu'on se mêle de mes affaires. Vous vous souvenez de Fernand? Oh, c'est moi les noms. Au dernier voyage, Fernand était un peu trop curieux. Je paye pour qu'on pilote les camions jusque dans une rue de banlieue parisienne. Ce qui se passe ensuite ne regarde que moi. Le conducteur doit amener sa camelote à l'endroit indiqué. Il retrouve son camion 2 heures plus tard au même endroit, mais vide. Régulier, oui. Dites ça à moi. Je ne parle jamais pour ne rien dire. Au dernier voyage, Fernand a voulu savoir où passer la camelote. Alors il a su. Mais pas longtemps. Voilà. Si vous avez un dernier conseil à donner au petit gars Pierrot, faites vite. Vous semblez avoir des méthodes très curieuses. Efficaces. Pour vous, pas pour moi. Harvey. Il y a aussi une chose que je voulais vous dire. Sur les 3 camions qui partent ce soir, 2 n'ont pas été chargés par moi. Je n'y trouve aucun bénéfice. Je n'aime pas ça. Barbin, vous me fournissez alcool pesant à 65 degrés. J'ai intérêt, moi, à transporter alcool rectifié à 98. Industriellement rectifié, Barbin. Je ne tiens plus à trimballer de la flotte. Il faut continuellement s'adapter. Ou disparaître.
Vous ne m'avez pas acheté ma cour. Vous me faites en ce moment courir un risque pour lequel je ne touche absolument rien. Gourmand, Bardin. 30 centimes du degré. 300 sacs pour 2 heures. Ça, c'est du parking payant. On peut discuter. Pot de balle. Donnez-moi le 28 à Domfront. Vite! Allô? Est-ce que je pourrais parler à monsieur Augereau? C'est lui-même, monsieur. Qui êtes-vous, monsieur? Oui. Oui, nous ne tenons aucun compte des dénonciations anonymes et nous détestons les mauvais plaisants. Ben, c'est Bardin. Oui, l'hôtel du Grand Cerf. Une conversation que j'ai surprise comme ça au bar. Et j'ai vu les camions partir. Alors je me suis dit, ça pourrait peut-être vous intéresser. Ah oui, oui, oui. Ah non, mais... Non, non, faites pas état de moi, hein. Et non, mettez ça sous la rubrique... Initiative du service. C'est ça. D'accord, au revoir, monsieur Augereau. Tu as bien réussi, Louis. Mais c'est grave ce que tu fais. Tu passes de l'autre côté de la barrière. La minute. Je suis toujours le défenseur des petits bergers de France. Je suis pour la clandestinité. Mais je suis pas pour la fraude, ni pour les assassins. Ça va? Ça va. Je souhaite mon tour. 160 chronos, avec elle, je crame personne. Tandis-moi, à la pépère. Très vraisemblablement, itinéraire par La Ferté, Carouge et C. Enfin, si vous pouviez prévenir les brigades, mon commandant. Oui, merci. Un barrage en forêt des Couves. Ah, ben ce serait parfait. Merci, mon commandant. La gendarmerie va faire un barrage. Qu'est-ce qui se passe? Un coup fumant, je t'expliquerai. Excuse-moi, hein. Passe-moi le 40. On va être à quelle heure à Paris? Attends, je vais leur piquer les fesses. Allô, Caroline appelle Brigitte. Caroline appelle Brigitte. Ici Brigitte, j'écoute. Alors, feignant, tu cueilles des fraises? On traîne comme des limaces. Vous à Alphonse? Moi, je respecte tes ordres. Ici Alphonse. Caroline est priée de fermer son clapet. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils trouvent que ça ne va pas assez vite. Dis-leur de ne pas user les matériels pour dire des conneries. Qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends rien. Il est mauvais loin. Ils sont 2 ou 3 à correspondre. Tu crois que c'est le convoi annoncé? Bah, ça a l'air de bouger, tout ce que je peux dire. Mon capitaine, on les entend, mais ils sont encore loin. Il doit y avoir un véhicule qui leur fait le devant, comme d'habitude, évidemment.
trop. Le mec a coupé son jus et nous file le train. Passe un coup de projo, on va voir comment ça réagit. Ah, ah, les salauds. Ah, les salauds. T'as compris maintenant. Ah, le truc est pas nouveau. Tiens, prends les lunettes. Non, je vais leur filer un pruneau dans leur phare, d'accord? Non, pas la peine. Ils vont tomber sur le barrage. On leur coupera la retraite, d'ailleurs, ils sont faits. Oh, il est encore là. Allô, Alphonse? Caroline appelle Alphonse? Caroline appelle Alphonse? On a une sortie au cul. Qu'il fasse ce qu'il y a à faire, qu'il part au moins. Allô? Envoie le projecteur en pleine poire. Et puis dis-nous ce qui se passe. Ah, c'est déjà fait, mais il insiste. Alors, fais donner la garde. Allô, Brigitte? Allô, envoie une giclée. Ah, les vaches! Vous avez pas reçu de l'huile. On va se casser la gueule! Ah, bah, j'abandonne! Pas question! J'ai dit qu'on aura leur faux. On lui a filé une giclée! Il colle toujours! Qu'est-ce que je fais? Vous avez entendu? Ouais. Je serais curieux de voir ça. Dis à Caroline de mettre le paquet. Et à Brigitte de passer à 85. Et dis au motard de continuer à lui faire le devant à cette allure. Le petit gars va pas pouvoir suivre. Et alors? Je vois plus clair. Attends, attends, je vais leur tirer dans les pneus. Ah, c'est ça, c'est la fusée qui est pétée. Ah ben, on peut plus repartir maintenant. Ah, les salauds, ils n'iront pas loin. Eh oui. Monsieur Harvey, ça accroche derrière, vous voulez que j'y aille? Attends. Monsieur Harvey? Peut-être. Caroline appelle Alphonse. Alphonse, écoute. Ici Léon, ça y est, on a laissé la sangsue dans les choux. Dis-le de s'arrêter à côté de nous. Va voir au même chemin. Caroline. Très bien. Alphonse appelle Caroline. Arrêtez-vous à côté de nous. Bon, compris. On s'arrête à côté d'eux. Bon. Il était combien? Ah, il y avait juste une seule voiture. Gendarmerie? Non, plutôt contrôle des fraudes. Le petit gars, qu'est-ce qu'il est devenu? On l'a doublé, il ramène dans la côte. Je vais le chercher, monsieur Harvey. Inutile. Monsieur Harvey, pas tant mieux par là, ça va vers une carrière de sable. C'est plein de trous. C'est votre même? Ou à la rigueur, mais ça ne va pas loin. Bon, on continue. Tu vas rouler à 60, regarde bien autour de toi. Tu nous fais un appel toutes les minutes. Après 3 minutes, si tout va bien, on reforme le convoi, avec ou sans le petit gars. Compris. Thank you.
un barrage. Et j'ai deux motards aux fesses. Il y a un barrage. Les voitures dans la carrière. Pinquez-vous en vitesse. Vas-y, fonce dessus. Répression des fraudes, brigade volante de Donjon. Alors, deuxième camion est passé? Non. De l'âme là-bas. Le convoyeur est mort, mon capitaine, mais on tient le conducteur. Ah, bonsoir, mon capitaine. Rogerot. Répression des fraudes. Ben alors, les autres camions ont dû se planquer dans la forêt. Je viens de donner des ordres pour que l'on boucle toutes les routes. Ardouin, appelez-moi le groupement d'Alençon. Il nous faut un peloton de renfort. Faut peut-être mieux pas venir les flics, non? Non. Je suis bon pour 2 ans. Tu pensais? Toi, t'es pas clair en règle. Bon, on t'a tiré dessus par erreur. T'es même bon pour une indemnité. Tu vas voir. J'aurais pas assez d'estomac. Non, non. J'ai mieux que ce soit Hervé qui s'en occupe. Vous autres, vous le connaissez pas, mais... Mais moi, je le connais bien. C'est un chic type. Il me laissera pas tomber. Comme tu veux. Je vais essayer de l'appeler. Allô, Alphonse. Allô. Ici Pierrot. Il y a un coup dur. Allô, Alphonse. Ici Pierrot. Vous m'entendez? Ici Pierrot. Allô. Allô, Alphonse. Allô. Oui, on t'entend. Tais-toi. Va voir. Allô? Allô, Pierrot? Allô, Pierrot? Oui, j'écoute. Où es-tu? Dans une allée, près de la route. Où ça?
Explique. Vos copains sont cuits. On va fermer toutes les routes. Vous feriez mieux d'avouer. Je n'ai rien à dire. Je demande l'assistance d'un avocat. C'est mon droit. Eh ben vas-y, moi j'en connais un morceau de droit. Je m'en vais te conseiller, moi. Mais on fait de mal à personne, bon Dieu. Vous n'avez pas honte de faire un métier pareil? Alors là, il n'y a plus qu'à tirer l'échelle. Allez, emmenez-le. Il a une balle dans le ventre. La moto est en état? Ah, oui. Alors, vieux, ça va pas? Ah, doucement. Ils m'ont filé un pruneau au passage. Tâche de tenir le coup. Mais faut faire vite, monsieur Harvey. S'il vous plaît. Je sens que je me taille. Ne t'inquiète pas. On s'occupe de toi. Pierre. Oui? Tu serais allé à moto par les petits chemins jusqu'à C? Ça peut se faire, oui. Il faut ramener un tout-bib. Non, non, il s'agit pas de ça pour le moment. Tu connais le café du centre? Très bien. Voilà ce que tu vas faire. Prends la moto. Mm-hmm. J'ai repéré une descente à 100 mètres d'ici qui doit rejoindre une allée forestière. Tu vas la descendre en roue libre. Ah voilà. Dis bien qu'on fasse vite. C'est une question de minutes. On t'attend à la carrière. Et mon camion? On l'amènera. Allez. Le barrage est sur la départementale 26, à peu près au kilomètre 13, en forêt des Couves. Il y a encore deux camions et la voiture d'Harvey. Si, si, j'ai un moteur sous la main. En combien de temps pouvez-vous rejoindre Harvey? 10 minutes, un quart d'heure. Il s'agit de 10 minutes environ. Bon, je ne bouge pas. Écoute, papa, tu es très, très gentil et tu fais très vite, hein? Bon, à tout de suite. Au revoir. As-tu besoin de quelque chose, Solange? Non, merci. Laisse-moi. Alors? Alors, il faut attendre. Ah bon? Ben, attendons. Qu'est-ce qu'il fait, votre père? Tiens, curieux. Il se trouve que c'est un monsieur très bien placé. Ah ah, ouais ça. Une haute personnalité. Vous savez, la hauteur des personnalités. Je ne sais pas comment ça se passe dans votre bled, mon vieux. Mais pour moi, j'en suis bienvenu. Pas à vous. Alors, pour Dédé, qu'est-ce qu'on fait? Vous, c'est Pierrot, n'est-ce pas? Oui. Je connais papa. Il va me rappeler d'ici un quart d'heure. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour se détendre, Pierrot? Non, mais vraiment, vous croyez que c'est le moment de se détendre? Hein? Alors qu'on est dans le bain jusqu'au cou? La vie est courte. Alors profitons de tous les instants, Pierrot. Mais il y a un type qui est en train de crever, bon Dieu! Vous pouvez pas mettre ça dans votre petite tête, non? Comme il est beau quand il se met en colère. Bon, ben je vais attendre dehors, je crois que ça vaudra mieux. Attendez! Je m'ennuie toute seule, tu restes avec moi? Eh bien, on fait un boutique de bonheur chez toi. Travailler Dédé jusqu'à Paris, c'est pas possible. Il sera mort avant d'arriver. C'est ici qu'il faut faire quelque chose et c'est vous qui devez le faire. Qu'est-ce que vous décidez?
Hein? C'est ça qui m'intéresse. Oh, la ferme. Si tu ne veux pas perdre ta place, t'occupe pas de ce que les autres doivent faire. C'est compris, hein? Je te jure, il y a des coups de pied au cul qui se perdent. Tiens, papa bat tous les records. Allô, c'est moi. Pierre! Entendu. La croix de Médavie en forêt des Couves, tu sais où ça se trouve? Très bien, oui, c'est un carrefour. Bon, ça ira. Va trouver Harvey. Et dis-lui qu'il n'y aura personne à ce carrefour jusqu'à 1h du matin. C'est tout. C'est tout. La croix de Médavie, c'est là. Bien. Tu sais, le coup de ce soir, ce n'est pas par hasard. C'est signé Bardin. Et je te garantis qu'il aura de mes nouvelles. C'est fini? Oui. Et Dédé, où il est? Ça, c'est pas possible, hein? J'en ai vu crever, des gars. Et la blessure au ventre, ça demande des heures et des heures. T'es pas médecin? Alors pense là, Mathieu. Ça va trop loin, je marche plus. Je sais ce que tu penses, mais Dédé était fini. Maintenant, je ne force personne. À toi de voir. Comme ça, c'est tout vu, ça va trop loin pour moi. Va s'en aller, les gars. Chacun à son poste. Je prends le camion du petit. Ah, ça, personne ne touchera mon camion. Complique pas les choses. On peut pas laisser perdre la camelotte. Allez, va. Compris. On part tout de suite. Alphonse, prends le camion. Léon, tu prendras la moto. Une heure pour rentrer, ça? Tenez. Laissez vos souliers en bas. On ne va pas retirer l'escalier exprès pour vous. Eh bien, vous voilà dans un bel état. Je vous prie de m'excuser, j'ai été prise par la pluie. Oh, mais je ne vous demande rien. Bonsoir, mademoiselle. Eh oui, une panne de courant, ma petite. Ça nous arrive bien 10 fois dans l'hiver. Oh, vous êtes toute trempée. Vous allez attraper du mal, je ne peux pas vous laisser comme ça. Je vais vous préparer un bon grog. Avec de bonnes choses dedans. Moitié cidre, moitié goutte. Tout ça bien chauffé à la braise. Merci, je ne bois jamais d'alcool. Mais je vous parle pour votre bien. Est-ce que vous tenez tête comme ça à vos parents? Mes parents? L'alcool a tué mon père et avant cela, l'alcool avait tué la vie de famille.
Alors je dis non à ça, non. Ma petite, votre père était peut-être un ivrogne. Mais moi, j'ai toujours su ce que je faisais. Je ne cherche pas à vous offenser. On est alcoolique comme on est rhumatisant. C'est une espèce de maladie. De mieux en mieux. Une maladie, oui. Essayez donc de vous passer de votre petit bol de gouttes le matin. Et du café arrosé et des cerises à l'eau de vie. Mais je n'en ai pas la moindre envie. Bien sûr, vous êtes esclave de la goutte. Esclave? Mais la voilà qui parle comme ce petit abbé Mirou qui avait remplacé monsieur le curé pendant sa maladie. Allez, finis la goutte. Vous voulez mettre les jeunes gens et les jeunes filles en petites culottes. Le football, le sport. Je lui ai dit ma façon de penser. Et je vous l'ai dit aussi à vous, ma petite. Je suis encore la directrice de cette école. Et je suis responsable de la santé des maîtresses. Mademoiselle Dozier, je vous dégage de cette responsabilité. Je me soignerai moi-même. Je vous souhaite le bonsoir. Oh. Celle-là, c'est bien la pire de toutes. Mademoiselle? Venez, les parents veulent vous voir. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Voilà, mademoiselle. On vient, c'est rapport à notre bien que vous perdez. Vous voulez parler de l'alcool qui a été confisqué hier? C'est notre bien, quand même. Pareil, d'après ce que disent les petits, que vous l'avez répandu. Je peux pas croire une chose pareille. C'est cependant la vérité. Une circulaire ministérielle interdit l'entrée de l'alcool dans les établissements scolaires. On donne aux enfants. C'est pas le ministre qui donne aux enfants. Alors voilà, on est venu vous dire, mademoiselle, qu'il faut pas perdre notre bien. Eh bien, ne leur donnez plus d'alcool et je n'aurai pas à le confisquer. Oh, ça va pas, ça. Non. Madame la directrice, elle est moins regardante. C'est pas des enfants de ministres, c'est des enfants de paysans. Circulaire de ministre, on connaît pas, nous. Mais on vous dit circulaire de paysans. Faut pas perdre notre bien, mademoiselle. Sans ça, on sera pas des amis. Merci de cette mise en garde, mais je ferai ce que j'ai à faire. Ne faites pas la sotte, allez vous reposer. Mais regardez-moi votre mine, vous ne tenez plus debout. Vous avez fait de m'écouter hier soir. Elle n'est pas plus mauvaise qu'une autre, mais elle n'en fait qu'à sa tête. Tenez, hier soir, elle est allée voir son cousin Augereau. Vous savez, l'inspecteur des indirects, à Domfront. Mademoiselle. Faut voir. Mademoiselle Dozier m'a dit comme ça. Contente ou pas contente, faut qu'elle boive ça. Non, j'en veux pas. Mais ça va vous faire du bien. Vous n'avez rien pris depuis ce midi, c'est pas raisonnable. Alors, veux-tu boire? 10 morceaux de sucre, moitié cidre, moitié goutte. Vous n'allez pas me gâcher ça. Ça va vous remettre. Bon, je vais y goûter. C'est trop fort, ça. Allons donc. Juste une lichette de goutte pour donner du goût. 1/10 de ça suffirait. Laissez faire. Ça va vous sembler un peu raide parce que vous n'avez pas l'habitude. Non. Tiens, non, la branche, Charlotte. Je n'en veux pas. Non. Mais non. Mais faut pas vous débattre, ça, en verre. Non. Non. Allez. Non. Ça allez. Non. Là. Là. Non. Non. Buvez. Buvez. Ah non. Gamine. Comme une gamine. Là. Allez, allez, allez. Là. Là, vous voyez, c'est pas si terrible. Tout à l'heure. Remets-la sur sa chaise. Qu'elle se repose un peu. Thank you.
Ah, vous voilà réveillé, donc. Voilà 24 heures que ça dure. On pensait même faire venir le docteur. Vous m'avez saoulée, vous êtes contente? Je vous ai guérie, ma petite, vous n'avez plus de fièvre. Charlotte, pouvez-vous aller me chercher de l'eau, s'il vous plaît? Mademoiselle. Vous n'allez plus faire de bêtises, comme de narguer les parents, dame. Voilà bientôt 30 ans que je suis dans cette école. Pas une élève ne peut se vanter de m'avoir vu rabouler saoul, moi. Vous êtes malhonnête. Dame, je ne suis point d'une famille d'ivrognes. Laissez-moi. Il n'y a que la vérité qui offense. Monsieur le curé chez lui? Oh, il n'est pas bien du tout, le pauvre homme. Il y a le docteur et monsieur l'abbé Mirou près de lui. Voulez-vous que j'aille voir? Non, merci. Hein? Tu sais ce qu'elle a fait, ta demoiselle? Elle s'est saoulée la gueule. Mais tu vas être polie, oui. Oh, t'as qu'à demander. Tout le monde l'a vu. Mais celle-là, tu l'as vue, celle-là, là? Oh, maman, Mirou m'a battu. T'aurais pas dû faire ça. Ce qu'il dit, c'est la vérité. La parisienne, elle pouvait plus seulement bouger de sa chaise tellement qu'elle était cuite. Ah ben, si la Dosier a fait ça, c'est une rude ordure. Oh, dire ça à mademoiselle Dosier. Je sais pas ce qui s'est passé pendant ton voyage à Paris, mais t'es plus le même. T'es tout nerveux, tout mal embouché. Mais quoi? T'es malade? Ça, y a pas de danger. Je suis vacciné. S'il vous plaît, il faut que je voie mon cousin Adolphe. Bon. Je vous emmène. Je vous ennuie. Vous êtes gentil, mais vous me donnez tort aussi. Moi? Mais je vous donne mille fois raison, au contraire, seulement. C'est pas tout d'avoir raison. Il faut aussi être fort. Si vous êtes faible et que vous attaquez un point fort, ça y est, c'est fini. Vous êtes pulvérisé. Oui, mais c'est sur les enfants qu'il faut agir, quand les habitudes ne sont pas encore formées. Bien sûr, seulement alors, ne vous retranchez pas derrière des circulaires ministériels, dont tout le monde par ici se fout intégralement. Voilà, Pierrot. Salut, Julien. Il faut agir par la bande. On a eu l'abbé Miro qui voulait mettre les jeunes au sport. Ben, ça, c'est payant. Oui, mais sitôt parti, mademoiselle Dosier s'est empressée de faire supprimer tout ça pour cause d'impudicité. Mademoiselle Dosier n'est pas éternelle. Puisque le curé est malade, il va revenir, l'abbé Miro. J'aurai un appui moral. Mettez donc vos filles au basket, tiens. Ça vaudra mieux que de vider leurs bouteilles. Retourner là-bas. Je vais demander mon changement. Oh, Marianne, il ne faut pas se décourager. D'ailleurs, les expériences forment la jeunesse. Peut-être, mais je préfère me retirer. D'ailleurs, tout le monde sera content ici. Peut-être tout le monde, mais pas moi. C'est ça que vous cherchez? Vous croyez l'avoir perdu. C'est fait.
Germaine. Germaine. Ah, par exemple. Ah, quelle bonne surprise. Le taulier se prétend surpris. Ah ben, je vous croyais à Paris. Où ça? À la santé? Je crois qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Alors, je vous sers le petit coup de l'amitié. Vous nous servirez ce qu'on vous dira. Mes chers amis, vous avez l'air fâché. Ce Fauderche, hein, soufflant dans sa poche. Non. Monsieur Bardin aurait l'intention de faire ses commissions lui-même. Il remonte dans mon estime. Enlève-lui ça. Allons, Pépère, fais pas le jeune homme. Joli. Mets ça dans le buffet. Dommage. Qu'est-ce que vous prendrez, cher ami? Les rognons de Bardin flambés à la goutte. Nous avons fait le voyage pour ça. Patience. Eh bien, vous voudrez bien m'excuser un instant, n'est-ce pas? Bonjour, messieurs. Et qu'est-ce qui vous amène, mon adjudant? Je suis requis par ces messieurs et j'ai demandé à monsieur le maire de nous accompagner. Oh, vous voilà bien officier. La cave et la courette de l'autre côté de la ruelle sont bien à vous? Oui, pourquoi? Tenez. J'ai pas mes lunettes. Un mandat de perquisition. Il paraît que vous êtes détenteur de 2300 litres d'alcool non déclaré. 2300 litres? Fichtre! J'en ai peut-être 150 litres, mais tout ce qu'il y a de déclaré, avec facture, congé, tout ce que vous voulez. Enfin, si ça vous amuse. Allons-y, messieurs. Tiens, mais c'est mon cousin. Oui, mais c'est pas le moment de le déranger. Il a l'air d'être sur un coup. Je te remercie, Paul, pour le geste amical. Ben, c'est l'adjudant qui m'a demandé de venir en me disant que c'était grave. Je suis malin pour être en règle. Et qu'est-ce que tu veux? Ce sont des ordres qui viennent de Paris. Oh, Paris. Est-ce qu'ils savent seulement que j'existe à Paris? Oui, tu me déçois. Augereau. Ouais. Augereau, venez voir. Le radiateur est bouillant. Et alors? Ce camion vient dans une cour vous appartenant, non? Augereau, vous êtes intelligent. Je suis victime d'une machination, ça saute aux yeux. Quelqu'un garait ce camion à mon insu. Oh, vous pourrez toujours plaider ça en justice. Personnellement, je m'en tiens au fait. Vous connaissez le tarif? Marine. Mais nous pouvons toujours consigner la version de M. Bardin. Mais consignons, monsieur le maire, consignons. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un retour de manivelle. Augereau. Ouais. 65 degrés. Ah. Ouais, ben, à vue de nez, ça va vous coûter une vingtaine de millions, sous réserve des poursuites judiciaires. Comme d'après ce que je crois comprendre, l'administration ne me paraît pas disposée à la transaction. Et on veut ma peau, quoi. Vous n'allez pas vous mettre dans ce cas-là. On dirait que ça vous fait plaisir. On n'y est pour rien, nous, du moment que mon mari vous le dit. Ah, mais j'estime, monsieur Bardin, mais ce qu'il dit n'est pas forcément parole d'évangile. Ah oui, mais quand ça vous fait gagner une prime, ce qu'il vous dit, alors là, vous ne discutez pas. Vous allez gagner Germaine, combien sur nous? Tais-toi, Germaine. Qui est-ce qui nous dit que vous n'êtes pas de mèche avec ceux qui ont amené ce camion ici? Dites, monsieur le maire, nous consignons ça aussi. Paul, tu veux l'emmener, s'il te plaît? Mais enfin, c'est vrai. Ouais, on n'y est pour rien, nous. Je vous affirme que j'y suis pour rien. Cher monsieur, il s'agit hélas du flagrant délit le plus banal. Oui, assurément, assurément. Vous qui jouez aux cartes avec Louis, vous devez connaître son honnêteté. Oh, je vous comprends très bien, mais cette histoire est très ennuyeuse. N'importune pas, ouvrard, tout ça va s'arranger. Je peux pas être tenu responsable des ordures qu'on dépose dans ma cour. Mais c'est le flagrant délit, et je crains. Qu'est-ce que vous faites là? Allez-vous-en. Oh, bon sang. On ne sert que des gens bien ici. Tais-toi. Tu as peur, hein? Mais moi, ils ne me font pas peur. Qu'est-ce que tu vas te dire? Tu trouves que nous ne sommes pas assez empoisonnés comme ça? Va, ma chérie. Votre dame paraît neuveuse, aubergiste. Des petits ennuis. Madame Bardin n'entend pas la plaisanterie. Mais vous?
Si vous avez de l'urticaire, je vous déconseille les rognons. C'est fini pour vous ici? Vous allez à Nanville maintenant? Eh ben oui, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Je laisse un homme au camion en attendant la saisie. Tiens! Justement, je vous cherchais, votre cousine est chez vous. Qu'est-ce qui se passe? Ça, elle vous expliquera. Hein. Bon. Merci. Bonjour, monsieur le maire. Paul! Il faut qu'on parle de tout ça. Viens boire un coup. Non, non, je n'ai pas le temps. Je dois téléphoner à Alençon pour avoir des renseignements au sujet de cette affaire. Ce n'est pas encore fini. Ils vont à Nanville pour une autre perquisition. À Nanville? Chez Mathias? Non. Chez Loca? Non. Chez Soulages? Je ne peux rien dire. Je repasserai ce soir, on reparlera de tout ça. Allez, au revoir. T'as compris? Perquisition chez nous. Tant, mais il croit au Père Noël, les rats de cave. Il va y avoir du sport. Va préparer la réception sur place. Moi, je fais donner l'artillerie lourde. Ils nous ont eu ici une fois par surprise, ils nous auront pas deux fois. C'est l'Américain. Oui. Il a sorti ce qu'il avait dans sa manche, à moi de jouer maintenant. Allez, file. Bon. Allô? Monsieur le député? Rebonjour. C'est Bardin. Dites-moi, cher ami, puisque vous êtes dans le coin, j'ai un petit service à vous demander. Oui. Très urgent. Amène le tuyau, là. On a qu'une plaine, on en a moins pour une heure à pomper ça. Eh ben, faut gagner du temps. Allez, bon, voilà, j'appelle pas les chartons. Allez, bon, bon, bon. Mais on sonne le tocsin. Ah, ben ça y est, j'ai compris. C'est la corrida qui commence, comme d'habitude. Comment ça? Tu vas voir. Attention, ça va être plein. Allez, là, bon, dépêche-toi. Amène l'autre, amène. C'est bien la ferme Soulages, ici. J'ai un mandat de perquisition. Ici, propriété privée. Perquisition, on ne connaît pas ça. Enfin, vous vous rendez compte? C'est pas sérieux. Vous vous mettez en état de rébellion? Entrave à l'autorité. Tu entraves quelque chose, toi? Moi, je n'entrave rien du tout. Oui, ils ne veulent rien entendre. Non, 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 faut y aller. Ben, vous êtes bon, vous, je n'ai qu'un homme avec moi. Je vais téléphoner au village pour avoir du renfort. Venez. Je vous engage à ne pas rester là. Oui, mais je les connais. Croyez-moi. Vous avez gagné. Mais maintenant, je vais appeler pour avoir du renfort. Hé, fous le camp avec tes rats. Va les chercher, tes renforts. On les attend. Entends la balayette. Chaud, hein. Ça y est, ils sont partis comme des péteux. Il y avait les gendarmes? Oui, ils sont partis chercher le renfort. Allez, ben, retourne. Et puis, va y où, là, hein? Allez, allume, allume, allume. On les aura pour eux. Si elle croit nous narguer comme ça, elle va trouver à qui affaire. Allez, venez. C'est de l'avait retourné d'où elle vient. Tiens. Où allez-vous? À l'école. Vous n'avez point fait assez de mal comme ça, donc. Allez-vous-en. C'est vous qui avez ramené votre cousin? Vous voyez ce que le monde pense de vos agissements. Mais je ne suis pas responsable. Quelle toupet! Eh ben, restez frontés. Allez faire vos valises. On ne veut plus de vous ici.
Je crois que ça vaudra mieux comme ça, oui. C'est ça que fout le camp. Eh oui. Deux motards? Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en foute? Ah, pour la liaison? Et alors, on voit deux motards? Bon, ah non, moi je les attends ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est qu'il y a des bananiers, hein? Ah oui, député du coin. Mes chers concitoyens, j'ai entendu votre appel et je réponds présent. Enfants de Montville, vous n'avez pas vu les employés d'une administration tatillonne venir pour violer vos demeures. Ils sont à l'affût du pauvre petit demi-litre de gouttes supplémentaires qui aura échappé au scrupuleux contrôle de l'honnête paysan. Car il n'y a pas de voleur chez nous, messieurs. Retournez chez vous. Nous sommes au pays de la liberté. Nous n'accepterons pas qu'elle soit foulée aux pieds. Mais c'est pas la ferme de Pierrot, hein? Est-ce qu'on demande le chemin? Initiative à déconseiller. Je n'aime pas ces rassemblements de ploucs. Restez là. Je vais aux nouvelles. Mes amis, en votant pour moi, vous avez choisi un enfant du pays. Et c'est aussi le défenseur de la liberté, de nos libertés, chèrement acquises. Je sais combien votre vie est dure, combien il est difficile de tirer de la terre... On vient savourer son triomphe. Malheureusement, il y a un os. Bien, tant mieux. On va lâcher les chiens. Respect à la loi. Kinga ! À la santé de notre député. Merci, je ne suis pas de la circonscription. Chacun se doit de respecter votre travail. T'as compris la coupure? Tant qu'ils se battront à coups d'énonciation, on joue gagnant. Laissez venir à moi les petits trafiquants. Que les paysans français ont consenti à la France. Il est tiré. Ouais. C'est votre cousine. Elle a ses valises à l'école. Seulement, elle ne peut pas bouger. Les autres sont en bas à l'attendre. Elles disent comme ça qu'elles veulent lui faire un brin de conduite. Alors, voyez ce que ça veut dire. C'est bon. J'ai toujours été le défenseur de vos légitimes privilèges. Je suis toujours intervenu avec efficacité lorsqu'on a voulu y porter atteinte. Organisons nos comités de défense. Il faut que l'opinion soit alertée sur les problèmes difficiles. Ça, c'est un comble. Vous pouvez pas cacher ça. Mais mon adjudant, c'est réglementaire. C'est vraiment pas le moment. Ça pompe? Ça pompe pas beaucoup. Là, les renforts. Deux motards viennent d'arriver au bourg avec des mitraillettes. Ils veulent nous faire crever, salopards. Ah ben, ça, je veux pas d'histoire, moi. Allez, allez, on chiffonne tout dans la mare. Bon. Amène le tuyau. Allez-y, en avant. Je te jure qu'il faut de la patience, hein. Il faut voir avec un honnête homme. Hein? Sous le camp. Eh, dis, je suis pas un feignant, moi, tu sais. Je sais pas, c'est oui. Qui nous a vendu? Qu'est-ce que c'est un feignant? C'est elle qui nous a vendu.
entier logeron. On lui casse la gueule. Arrêtez, mes amis, je vous en supplie. Écoutez-moi, écoutez-moi, attendez. Écoutez-moi, arrêtez! Bonjour, si vous voulez perquisitionner chez mon père, c'est le moment. Là, j'ai terminé, Lucas. Allons, soyez raisonnables, quoi. Ils vous ont pas fait mal? Non. Bonjour, venez voir. Vous voulez connaître les gars qui vous ont échappé l'autre nuit? C'est eux. De manière, en forêt des couves, il y avait deux camions avec eux. Ils ont même achevé un d'ailleurs qui était blessé. Gendarme, viens avec moi. Stop! Stop! Allez, tirez, tirez! Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour. Il est mort, monsieur le curé. Demain, nous parlons de l'avenir. Aujourd'hui, nous perdons un bon vieil ami. Vous allez dire vos prières gentiment. Oh, mais vous allez rester avec nous, monsieur l'abbé. Pas impossible. Je vois que vous êtes populaire, monsieur l'abbé. Vous avez sans doute l'intention de rester ici. Je ferai ce qu'on me dira personnellement. Je ne suis pas contre. Il y a beaucoup à faire dans cette paroisse. Bien sûr. L'abbé Hulin n'était plus dans le mouvement, n'est-ce pas? Mademoiselle Douzier, je souhaite avoir une carrière aussi belle, aussi droite que celle de l'ami qui vient de nous quitter. Il a vécu son époque, je dois vivre la mienne. Je sais. L'époque des blousons noirs, des scooters, des jus de fruits. Mademoiselle, ce n'est ni le lieu ni le moment pour une pareille discussion. Mais je me permets de vous dire que vous me feriez personnellement plaisir en ne créant aucun ennui à la nouvelle institutrice. Place aux jeunes. Laissons les morts ensevelir leurs morts. C'est bien ça. Vous avez beaucoup de peine, mademoiselle Douzier. Croyez-moi, je suis avec vous. Et je vous plains. Ben, vous voyez, il n'y a rien. Replonge. Oh, oh, il peut plonger. Gratter, gratter, gratter. Il n'y a rien. La cuvée est vide. Oui, oui, je vois, je vois. Vide. Depuis 5 minutes. Oh, allons, allons, allons. Oh, vous pouvez taper, taper jusqu'en bas. C'est vide. Oui, oh, ça sent fort d'une année sur l'autre, ça. Votre mare doit pas mal titrer, hein? Ah, ben, c'est peut-être bien des résidus de l'an dernier. Ouais. Curieux métier que le nôtre, hein. Quand on part sur un compte, on trouve jamais ce qu'on cherche. Souvent rien du tout et parfois beaucoup mieux. Dans l'ensemble, la journée serait plutôt bonne. On a démoli un réseau de trafiquants. Ah, oh, ça, les trafiquants, faut plus. Ah. Eh ben, messieurs, on va voir un coup. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Eh ben, vous allez vous goûter ça. Je vais vous sortir la bonne. Eh, Pierrot! Ah, le v'là bien occupé, lui, à cette heure.
Vous venez, messieurs. La coexistence. Une anti-alcoolique et un fraudeur. Mais je me demande bien de quoi ils peuvent parler. Oh, le pauvre. Oh, le pauvre petit canard. Oh. RenéChateauVideo.com, la mémoire du cinéma français en DVD, le site des films rares et introuvables.